Nous
Jésus, il y a un problème, il n'y a pas de pain, mais pas c'est
Avec beaucoup de habitations sensuelles, il te dit, mets l'aspirateur, mets l'aspirateur.
Et voilà, ce célèbre qui a béni avec les symboles du mariage. Et c'est la fidélité aussi qui compte. C'est que Dieu dit que l'homme ne détruise pas. Le mariage, la famille, je suis béni du mariage. Et la Vierge est là pour intercéder pour nous, pour qu'il ne nous manque jamais le pain de l'amour. Apprendre à aimer. Qui nous enseigne à aimer? C'est Jésus. Jésus-même. Comment il s'est donné? Regardez bien. Jésus, il a partagé avec nous son amour. Il a dit, je ne vous dis pas, je ne vous dis pas, je vous dis maintenant, mes amis, car je vous ai raconté tous les secrets que j'ai depuis mon père. Oui, et les mariages, c'est ça. Ce sont les noces, c'est partage. L'homme et la femme doivent savoir partager tout ce qu'ils sont. Ça ne peut pas se passer que le mari ne dit pas à sa femme et qu'on est gagné, que la femme ne raconte pas au mari ce qu'il a gagné. Non, chacun vient du côté de solitaire. Non, partagez. Partagez vos corps, partagez vos cœurs, partagez vos esprits, partagez la vie. C'est ça le mariage. Et encore, il faut dire, la fidélité. Jésus, il était fidèle. Ça l'a coûté beaucoup. C'est dur, c'est clair. Il y a beaucoup de tentations. Le monde, Satan, la chair, tout ça vient sur nous. Mais Jésus, il y avait un corps comme moi aussi. Et il a donné son corps. Voici mon corps. C'est la liberté pour vous. Il a donné son corps et son sang. De la familia.
Je dois me convaincre, c'est ça la question. Il faut aller chez notre mère.